Coucou mes amours, bien sûr je suis avec vous. C'est-à-dire nous sommes dimanche et comme tous les dimanches et comme tous les jours, je suis toujours avec Jésus, je suis toujours avec Dieu, avec les chants de Dieu, avec les chants de louange et tout ça, les chants d'adoration parce que j'aime Dieu, j'aime Jésus. Vous allez super super bien. Je suis désolée d'avoir fait, je m'excuse, je vais devoir baisser le volume. Pardon. Je suis désolée d'avoir fait attendre cette personne. Coucou, bonjour. Vous avez été très nombreuses de m'avoir demandé comment faire pour tomber enceinte. Belle, s'il te plaît, fais-nous les astuces pour tomber enceinte et tout, et tout, et tout. J'avais pratiquement oublié, alors je vous demande pardon, je m'excuse énormément. Alors, je ne sais pas trop quoi je faisais hier. Et puis j'ai dit oui, je n'avais pas noté ça et j'ai vu ça et j'ai dit ben tiens, qu'est-ce qui se passe? J'ai plein de demandes là parce que ce que je fais, toutes les demandes, je note dans un cahier et après je révise pour les faire. Et puis j'ai dit ben, ah, ceci est très important, j'ai eu trop de demandes et là-dessus, je dois vraiment, vraiment le faire parce que là, ces gens-là, ils méritent. Il mérite que je leur montre cette astuce pour pouvoir les aider parce que oui, j'en ai aidé plein d'un nouveau-né. Je vous dis, c'est une histoire incroyable. Le troisième des bébés que grâce au Seigneur, avec, je ne vais pas dire moi, grâce, je dis bien grâce au Seigneur et à la nature, ce que j'ai eu à donner à cette personne-là, Dieu a mis sa main et la chose a marché. Voilà, donc je suis contente et cette personne-là, elle partage, joue moi et moi les échographies, le ventre de son bébé avec moi, elle fait partie, c'est-à-dire elle me fait vivre sa grossesse avec moi et franchement, c'est comme si je fais partie de sa famille. Je suis vraiment, vraiment contente. Donc, voilà. Pour cette astuce, j'ai plusieurs astuces pour faire tomber rapidement enceinte. Mais aujourd'hui, je vais vous partager cette première astuce et les jours à venir, je vous partagerai d'autres astuces. Donc, celle d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Dans notre marmite, donc, vous aurez besoin d'une marmite qui peut prendre une contenance de 2 litres. Celle-là, non, hein, je vous montre juste une marmite. D'accord, mes amours? Vous allez avoir besoin d'une marmite qui peut prendre une contenance de 2 litres d'eau, comme cela. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez avoir besoin de baies de céline. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Je ne sais pas trop comment on appelle ça en patois. C'est des grains, des trucs comme ceci. Ça s'appelle baie de céline. C'est comme ça. Attendez que je vous montre. Ouais. Vous aurez besoin d'une bonne quantité que vous allez mettre dans votre marmite, dans votre 2 litres d'eau. Pardon. Pas directement dans votre marmite, vous allez mettre dans un mortier comme ceci ou alors dans votre mixeur. Ensuite, vous aurez besoin du 4 côtés. Vous savez, le 4 côtés. Voilà, le 4 côtés. Le 4 côtés, quand elle est touchée, elle se présente comme ceci. Elle se présente comme ceci. Donc, vous allez mettre ajouter dans votre mortier, d'accord? Vous allez essayer de piler ou encore dans votre mixeur, essayer d'écraser que vous allez venir donc rajouter dans votre 2 litres d'eau, pardon, dans votre 2 litres d'eau, pardon, je vous en prie, que vous allez laisser bouillir pendant 10 minutes, 10 minutes, laissez bouillir, donc qu'elle bouillisse pour extraire toute sa saveur, tout ce qui est de ses arômes, d'accord?
Et ensuite, déjà bouillie, vous allez laisser refroidir un tout petit peu. Lorsqu'elle est refroidie, vous allez tamiser. Vous tamisez cette eau-là, d'accord? Et ensuite, vous allez boire de cette eau un verre par jour, un verre tiède par jour, d'accord? Au coucher, un verre par jour, je dis bien un verre de cette infusion, appelons-le de ce thé ou de cette infusion, par jour au coucher, pendant 14 jours. Vous allez boire un verre de cela au coucher pendant 14. Si je répète, c'est parce que je répète parce que j'ai toujours les gens qu'après ils viennent, belle, ceci, ils me posent toujours les mêmes questions et j'en ai un peu marre. Et ce qui fait que d'autres, je ne réponds carrément pas parce que je le parle à la vidéo et après vous venez me crier et ça m'énerve. D'accord? Ça m'énerve carrément. C'est pour ça que je répète, je dis bien. Vous prenez votre marmite, 2 litres d'eau, d'accord? Vous prenez votre baie de céleri, une bonne poignée, vous mettez dans votre mixeur. Vous prenez votre quatre côtés, une bonne poignée, vous mettez dans votre mixeur ou dans votre mortier. Vous pilez ou vous mixez, déjà mixez, vous mettez dans votre marmite que vous allez laisser bouillir pendant 10 minutes et après laisser refroidir. Lorsqu'elle est froide, vous tamisez. Froide ou tiède, vous tamisez. Cette tisane-là, vous allez la boire pendant 14 jours. Un verre le soir au coucher. Pendant 14 jours. Chaque jour, un verre le soir au coucher. Puis, de cette même tisane, vous allez vous purger avec à l'aide de la poire. Voilà la poire. J'ai ma poire à la maison. Mais je sais que ce n'est pas hygiénique de la porter au salon. Mais comme il y a ceux qui sentent toujours que la poire, c'est quoi, machin, je préfère, je l'ai lavé, je l'ai stérilisé avant de la porter au salon pour que ça soit hygiénique. Je préfère donc vous le montrer comme ceci pour que après ça ne soit pas que belle la poire c'est quoi, la poire c'est quoi, machin et tout et tout. Oui, je préfère vous montrer la poire. Donc je l'ai stérilisée pour la porter dans mon salon, pour qu'elle soit hygiénique pour la porter dans mon salon. Parce que je ne veux pas de questions de ce genre-là après. Sinon, je ne vais carrément pas répondre. Vous prenez votre poire. Vous allez vous purger également pendant 14 jours. C'est-à-dire pendant que vous buvez le verre. Vous purgez également avec votre cette même tisane-là pendant 14 jours. Pendant 14 jours, lorsque vous purgez, après avoir fait votre purge, vous allez rester couché. Couché de côté gauche. D'accord? Vous allez rester couché de côté gauche. Question de permettre de circuler le remède. Le traitement, je vais dire, dans votre corps, d'accord? Vous restez couché et faites ceci à partir du dernier jour de vos règles. La purge et la boisson se fait à partir du dernier jour de vos règles, d'accord, mes amours? Vous allez le faire comme ça pendant 14 jours. Voilà, je vais vous parler un peu des bienfaits de quatre côtés. Ont des très très bienfaits sur la santé. Moi, je le bois, je l'ai tous les temps là, je le bois pour prévenir les maladies et pour donc je le bois pour prévenir et pour soigner d'autres maladies que j'ai parce que ça nettoie vraiment vraiment le corps de la femme. Les vertus de quatre côtés, elles sont un anti-inflammatoire, les kystes pour les gens qui ont les fibromes, les gens qui ont les trompes bouchées, c'est un anti-inflammatoire, les inflammations du col utérin, les règles douloureuses, elles soignent les règles abondantes, les douleurs du bas-ventre, manque d'ovulation, douleurs de trompe
et les trompes bouchées, fibrome, col et vagin, large suite d'un accouchement. Et ensuite, ce médicament que je vous donne là, franchement, vous allez prendre ça, c'est homme et femme, c'est pas seulement pour femmes, homme et femme. C'est-à-dire que quand vous allez prendre ça, et vous les hommes, ça va venir chez vous booster les petits bonhommes que vous savez là. Quand je parle des petits bonhommes là, je ne veux pas prononcer le nom, de petits bonhommes, c'est-à-dire le quand vous faites le pompier, ça sort là, le pompier là, quand ça sort, ça va le rendre fort, dur. Ce n'est pas seulement pour la femme et l'homme, et chez la femme, ça va te nettoyer, c'est tout ce qui est l'appareil digital de la femme là, prête pour recevoir les jumeaux là. Prête pour recevoir tout ce que tu veux. Amen. Prête pour recevoir ton petit bébé adoré que tu attends, que tu as la recherche depuis longtemps là. Moi, je vous dis, mes amours, faites vraiment ceci avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de cœur, et la nature, le Seigneur décidera. D'accord? Alors, franchement, mes amours, j'espère que la vidéo vous a plu. Inch'Allah, Inch'Allah, que ça marche pour tout le monde. Inch'Allah, que Dieu nous bénisse, vous bénisse, bénisse, et que tout le monde puisse obtenir ce qu'il veut, parce que nul n'aimerait rester sans enfant, sans avoir bébé, sans connaître, savoir ce que enfanter. D'accord? Et ça, personne n'aimerait rester sans. C'est-à-dire que c'est un bonheur de savoir ce que c'est que enfanter, de sentir cela en soi. Donc, c'est ça que je dis, Inch'Allah, Inch'Allah. D'accord, mes amours? Allez, liker pour m'encourager, partager ça pour aider les autres, et ça me ferait énormément plaisir. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner car c'est gratuit. C'est vraiment gratuit. Je vous dis à très bientôt, à la prochaine vidéo. Belle.